Bien. Thank you.
sûr. Bonjour à tous. Je pense que j'ai eu la déception de beaucoup d'entre vous en voyant que le président Moïse Katumbi n'a pas pu venir lui-même. Moi-même, j'ai été dépêché, un peu en catastrophe, parce que le président Moïse est empêché pour des raisons d'État et qui concerne aussi l'avenir et l'intérêt de notre parti politique. Étant entendu que c'est le parti qui a élaboré le programme et que le président Moïse en est le porteur, il a trouvé bon qu'un membre du parti le présente. Le secrétaire général étant empêché, parce que vous savez qu'il y a des concertations, il m'a donc désigné pour que je puisse présenter ce programme à sa place. Donc, je demanderai pour cela votre indulgence. Donc, il est important de savoir que les éléments que nous allons dégager ici concernent uniquement les quelques points saillants, parce qu'il n'était pas possible de dégager l'ensemble des points et des actions à mener par ce problème. Donc, en ce qui concerne les aspirations et la vision. Le candidat Moïse Katumbi Tshakwe ambitionne d'assurer une République démocratique du Congo stable, sûre et prospère pour tous. La vision se décline dans les objectifs quantitatifs suivants. Si vous pouvez mettre les objectifs quantitatifs. Voilà. Donc, nous avons le tableau qui décline les objectifs quantitatifs. Ce sont les objectifs sur lesquels, en fin parcours, nous devons être jugés. Nous pensons atteindre à l'horizon 2028 un taux de croissance du PIB de 14%, en partant d'un taux de croissance pour l'année prochaine, déjà 2024, de 10,5%, ce qui ferait un taux moyen de croissance de environ 12% sur le quinquennat. Le taux d'inflation durant la période
doit être maintenu, ça c'est un indicateur à 6%. On sait qu'aujourd'hui, ce taux est autour de 28%. Donc, il faudra des actions énergiques pour le ramener dès l'année prochaine à 6%. Et c'est un indicateur. Lorsque nous dépasserons, nous saurons que nous sommes en dehors des objectifs que nous devons atteindre. Le taux d'utile infanto-juvénile, il doit être maintenu. Aujourd'hui, il est au-dessus de 60%. Il doit être maintenu en dessous de 60 enfants pour 1000 naissances. Ici, je pense que pour le reste, vous comprendrez bien que nous allons en parler dans l'un des piliers, que nous avons un problème aujourd'hui dans notre pays de statistiques qui ne nous permet pas de fixer exactement où nous en sommes. Mais nous projetons que nous devons, en fin période, après avoir instauré un système statistique viable, tomber en dessous de 60%. Le taux de mortalité maternelle, nous sommes aujourd'hui au-dessus de 500 mortalités maternelles pour 10 000 naissances de mamans, et nous devons tomber en dessous de 350 mamans qui meurent en accouchant. Le taux de puits de scolarisation, tient compte de toutes les personnes qui sont scolarisées et que parfois ne devraient pas être en état d'être scolarisées au niveau primaire. Donc ce taux est toujours au-dessus de 100%. Donc nous espérons récupérer, et donc nous allons passer de 125 à 135%. Nous espérons récupérer donc beaucoup de personnes qui ne sont pas encore scolarisées pour augmenter le taux de fuite de scolarisation. Le taux de fuite et le niveau de taux de chômage, nous proposons qu'il est supérieur à 80% et qu'il devrait passer en dessous de 70% en fin de période. L'incidence de la pauvreté, le taux de pauvreté, qui est au-dessus de 70%, devrait pouvoir passer en dessous de 35% en fin de période. Voilà plus ou moins décrit de notre pays. Consolidation de l'État, de la démocratie, de la paix et la lutte contre la corruption. Les principaux défis auxquels nous devons faire face dans ce pilier sont le fait que l'environnement politique, sécuritaire et institutionnel de la RDC se caractérise par une gouvernance chaotique, inexpérimentée et prédatrice. Une situation politique réfractaire à la démocratie, aux institutions fortes et au développement. Une situation sécuritaire fragile et instable, particulièrement à l'est du pays, et qui traduit l'impuissance des FARDC et le faible contrôle du gouvernement sur le territoire des autres. Une administration publique en rénovation, mais avec un personnel vieillissant, incontrôlé et un système de rémunération inéquitable et opaque. Un État faiblement institutionnalisé mais fortement personnalisé autour du pouvoir politique. Un système judiciaire instrumentalisé, corrompu, dysfonctionnel et inefficace. Un processus de décentralisation inachevé et chaotique. Une insuffisance de l'appareil statistique dans l'accompagnement du processus de développement. Et une société gangrénée par une corruption omniprésente et multiforme. L'objectif principal sera donc de rebâtir progressivement un État congolais fort, fiable et stable et restaurer son unité à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Sous ce pilier, nous avons 11 objectifs spécifiques. Il est clair que chaque objectif spécifique est accompagné d'un certain nombre d'actions. Je vous avais dit qu'il y avait 291 actions, donc je ne vais pas énumérer toutes les actions pour ça, chaque objectif spécifique, mais je vais en relever quelques-uns. L'essentiel, c'est que vous compreniez que le plus gros et l'essentiel des secteurs de la vie communautaire de notre pays a été touché. L'objectif spécifique numéro 1 concerne les FARDC.
Parce que comme vous le savez, la priorité absolue pour Ensemble pour la République et pour le président Moïse Katumbi, c'est rétablir l'intégrité du territoire. Donc, pour cela, nous devons mettre en place une armée républicaine composée d'unités disciplinées, plus rationalisées, plus mobiles, plus professionnelles, mieux équipées et respectueuses des droits de l'homme. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. 1. La restructuration de l'organisation des forces armées de la RDC pour simplifier la gestion. L'augmentation de la puissance de feu et de dissuasion des FARDC avec un recrutement massif des jeunes et l'acquisition d'équipements modernes. L'augmentation de la solde et des allocations familiales et militaires. Je pense que vous avez suivi le président d'Ensemble, notre candidat Moïse Katumbi, qui a dit que l'un des principaux problèmes que notre armée connaît, c'est la motivation. Cette armée qui est mal payée ne peut pas être suffisamment motivé pour gagner une guerre. Donc, dans le budget que nous comptons mettre en place, l'armée, l'augmentation des salaires, de la solde des militaires et des frais de ménage doit être sérieusement considérée. L'introduction de la citation directe dans les juridictions militaires pour bannir l'impunité des officiers réputés intouchables. La construction progressive des casernes en dehors des villes. La nomination des commandants des unités à tous les échelons sur base de la compétence, la bravoure et la moralité et non sur base du favoritisme et du népotisme. L'interdiction d'affectation des commandants d'unités dans leur province d'origine. Vous savez très bien qu'à l'Est, beaucoup de commandants locaux sont devenus pratiquement des chefs coutumiers et refusent d'être mutés dans d'autres provinces. Donc, avec l'avènement de Moïse Katumbi, il ne sera plus question que les commandants soient des chefs coutumiers et qu'ils soient originaires de leur province. Lié à cet objectif central de restauration de la paix et de la sécurité, nous allons prioriser les conflits devenus endémiques de l'Est du pays avec pour principal objectif d'anéantir toutes les forces négatives en vue de rétablir la paix dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud. À cet effet, nous allons allouer dans les 5 prochaines années 11,3 milliards de dollars au secteur de la défense, dont 7,1 milliards en dépenses courantes et 4,2 milliards en dépenses d'investissement. Les dépenses courantes représentent une moyenne annuelle de 1,4 milliard de dollars et constituent une augmentation de 56% par rapport à l'actuel budget qui est de 899 millions de dollars. Nous allons assigner les dépenses courantes à la formation des 10 brigades de force de réaction rapide, Sud Kivu et en Ituri, ainsi que l'augmentation de la solde militaire et des fonds de ménage. En termes d'investissement, nous allons construire 3 bases militaires dans les provinces sud-visées pour abriter ces brigades qui seront chargées non seulement de protéger les populations, mais aussi de redynamiser les économies locales à travers leur participation dans les agropoles. L'objectif numéro 2 concerne la police. Il s'agira de mettre en place une police nationale républicaine, disciplinée, capable de maintenir l'ordre public dans le respect des droits de l'homme. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. Le renforcement des capacités de la police nationale congolaise par un recyclage régulier des policiers. La dotation de la PNC d'équipements modernes et adéquats. Le renforcement des effectifs de la police par un recrutement des jeunes dans toutes les provinces du pays. L'augmentation de la rémunération des policiers et l'interdiction de l'affectation des commandants d'unités dans leur province d'origine. À cet effet, nous allons consacrer au cours de notre mandat une somme de 2,5 milliards à ce secteur, dont 1,75 milliards en dépenses courantes et 750 millions en dépenses d'investissement. Ces dépenses courantes représentent une moyenne annuelle de 350 millions de dollars, soit un accroissement de 19% par rapport au montant assigné actuellement à ce secteur. Ce montant sera affecté à l'augmentation de la rémunération des policiers,
des fonds de ménage ainsi que des effectifs de la police nationale congolaise qui passeront de 140 000 à 160 000 personnels policiers. En termes d'investissement, nous allons construire des postes de police dans toute la République pour un montant total de 150 millions de dollars. Ces nouveaux postes de police, dotés mensuellement des frais de fonctionnement, amélioreront les conditions de travail des policiers et leur permettront de lutter efficacement contre la récurrence des sens de la criminalité. Objectif spécifique 3, pour l'année, protéger le pays contre les menaces de déstabilisation intérieure et extérieure. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. La remise de l'Agence nationale de renseignement ANR sous la tutelle du gouvernement. Comme vous le savez aujourd'hui, l'ANR dépend de la présidence de la République, ce qui fait que l'administrateur général de l'ANR ne peut jamais être interpellé, même par le Parlement ou même par la Commission défense et sécurité, parce que dépendant de la présidence de la République, ce qui n'est pas normal. La cessation des poursuites politiques et la restriction des actions de l'ANR uniquement aux infractions contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État. On doit sortir des phénomènes où aujourd'hui l'ANR est occupée à arrêter des gens pour des questions de dette ou des querelles de ménage. Donc, ils doivent s'occuper uniquement des questions qui touchent à la sûreté intérieure et extérieure. La professionnalisation et le renforcement des capacités des agents des services d'intelligence. Aujourd'hui, on sait que dès qu'on a un cousin, il y a un administrateur général, il devient agent de l'ANR, il n'est même pas au courant lui-même de ce qu'il doit faire. Il faut des services secrets professionnels. Objectif spécifique 4. Pour les mandataires publics, renforcer la légitimité et la redevabilité des mandataires publics dans le strict respect de sa constitution, de la constitution et de ses lois, et dans l'unique intérêt des populations. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. Le bannissement de l'ingérence de la présidence dans les affaires parlementaires et judiciaires. Aujourd'hui, les parlementaires sont là, savent que de temps en temps, même le président de l'Assemblée nationale nous dit, le président a dit. Il y a un monde au nom de l'élan de la présidence. Ça doit être banni dans la gestion de l'État. L'interdiction aux membres des bureaux des assemblées délibérantes de cumuler les fonctions publiques avec celles des partis politiques. Aujourd'hui, vous avez vu que nous avons des présidents de l'Assemblée, présidents du Sénat, qui sont membres des bureaux d'un groupe politique déterminé, ce qui n'est pas normal. Ils doivent redevenir l'église au milieu du village. Le renforcement des procédures de contrôle parlementaire des gestionnaires publics, en ce compris ceux des services spécialisés de la police nationale et de l'armée. Aujourd'hui, il est clair que, je l'ai dit pour l'année, c'est difficile de convoquer les uns et les autres, surtout pour le contrôle parlementaire, parce que se cache tout secret gouvernement. La responsabilisation des secrétaires généraux dans la coordination et le contrôle des affaires des ministères. La répression systématique des mandataires poursuivis pour détournement de biens publics ou corruption. Objectif 5 pour la CENI. Renforcer l'indépendance de la Commission nationale indépendante CENI à l'égard du chef de l'État dans la désignation du président de son bureau dans le but d'améliorer le système électoral et restaurer la crédibilité du processus électoral. Pour réaliser l'indépendance de la CENI, les actions ci-après seront entreprises. La désignation du président de la CENI parmi les personnalités issues de la société civile par consensus des trois composants. La décentralisation de la CENI, la désignation exclusivement de personnalités indépendantes, non affiliées et n'ayant jamais appartenu aux organisations politiques pour les composants comme membres du bureau de la CENI. Pour renforcer la légitimité des élus,
les actions ci-après seront entreprises. La restauration du scrutin majoritaire à deux tours pour l'élection présidentielle et son insertion dans les blocs des dispositions verrouillées par l'article 220 de la Constitution. Il faut rappeler ici que lorsque nous faisions ensemble l'opposition avec l'actuel chef de l'État, il était convenu que cette disposition devait être remise dans la Constitution, mais malheureusement, avec le coup du pouvoir, on a trouvé que c'était bon de laisser le système tel qu'il est. Mais nous devons le mettre dans les systèmes verrouillés, parce qu'il n'est pas normal qu'un grand pays comme le Congo, quelqu'un qui est minoritaire, aujourd'hui, notre pays, un président peut être élu avec 12% de voix. L'essentiel, c'est qu'il soit le premier. Il faut revenir à une situation telle que le président est élu dans la majorité absolue. Très bien. L'introduction du double degré de juridiction pour le contentieux des élections législatives et sénatoriales devant la Cour constitutionnelle. Ça, je crois que les blessés de guerre qui sont ici savent pourquoi on demande la double juridiction. L'allocation annuelle des crédits budgétaires à l'organisation des élections, suivie de la régularité de leur déroulement par le gouvernement et le contrôle rigoureux de leur utilisation par l'Assemblée nationale à travers tous les comptes. Objectif 6, pour la diplomatie. Mettre en place une politique étrangère volontariste, affirmatrice de la souveraineté de la RDC et principalement orientée vers le renforcement des liens économiques, le développement des échanges commerciaux et des partenariats mutuellement avantageux. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. Le règlement du contentieux né du non-paiement des créances vis-à-vis des États, des institutions internationales, des tiers étrangers et des diplomates et leurs familles dû au non-rapatriement des diplomates. Je pense que dans le gouvernement de Moïse Katumbi, il sera important de rétablir la dignité de notre pays. Vous savez comment nos diplomates sont humiliés, parce qu'ils sont abandonnés après avoir été chassés ou mutés sans frais de rapatriement et deviennent des mendiants à l'étranger. Et ça, c'est déshonorant. Les dettes cumulées au niveau des institutions internationales ne permettent même pas qu'on puisse proposer des Congolais à des postes que normalement nos compatriotes auraient dû occuper. La rationalisation, la professionnalisation de la carrière diplomatique, recrutement, promotion et rotation. Les diplomates doivent être des diplomates de carrière et non pas remplir la diplomatie des cousins et des enfants. La rationalisation des représentations diplomatiques par le mouvement stratégique de focalisation, la redynamisation et le positionnement de la RDC sur les questions stratégiques, notamment la gestion durable de la biodiversité, la transition énergétique juste et équitable. Objectif 7, pour la justice, doter la RDC d'un système judiciaire indépendant, impartial et accessible. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. L'augmentation de la rémunération des magistrats. Il est clair que la misère dans laquelle vivent certains magistrats est à la base de la corruption et de la corruption. L'octroi d'une prime d'éloignement aux magistrats affectés dans les territoires éloignés des grands centres urbains. L'attribution à l'inspectorat général des services judiciaires des prérogatives d'instruction en matière disciplinaire pour le compte du Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, vous savez mieux que moi que les magistrats sont des petits rois. Il n'y a aucun magistrat pratiquement qui est poursuivi, lors même quand il commet des graves infractions, notamment en matière de jugement. La construction des prisons modernes, l'augmentation des effectifs de magistrats, la rationalisation de leurs affaires et le renforcement de leur capacité. La création d'une école nationale pour la formation et le recyclage des magistrats et l'implication du barreau dans la gestion du pouvoir judiciaire. Nous allons profondément réhabiliter le pouvoir judiciaire afin d'affirmer son indépendance et son impartialité
et lui permettre par conséquent de jouer pleinement son rôle de gardien de la paix sociale et de rempart contre l'arbitraire. C'est pourquoi un budget de 1,4 milliard en dépenses courantes et 400 millions en capital pour non seulement augmenter substantiellement la rémunération des magistrats et les frais de fonctionnement des juridictions, mais aussi et surtout pour construire des palais de justice décents à travers la République. Objectif 8, pour la lutte contre la corruption. L'objectif difficile et satisfait. Amen. Amen. Commencer par l'ordre établi par le protocole. On aura la sortie ce frappe par l'excellence Michel Rado, suivi des autres membres du comité directeur, suivi de députés nationaux, provinciaux et les secrétaires nationaux, ensuite les différentes coordinations, et puis viendra tout le monde. Face à l'hymne national. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, qu'est-ce que le gouvernement peut retenir par rapport à cette activité lancée par l'ensemble de la République? Oui, ce qu'on peut retenir, c'est que le président Moïse Katumbi, ici représenté par Christian Mwando, a dévoilé son programme une fois élu président de la République en 2024. Alors, sur ce, il a retenu quatre piliers, entre autres la sécurité, le social, le respect des institutions et tant d'autres questions qu'il a retenues pour son mandat une fois élu à la magistrature suprême. Et il est allé même à dévoiler comment il va faire pour que la RDC ait un budget conséquent, à commencer par en 2024, on aura un budget de 16 milliards et en 2025,
2025, il y aura un budget de 20 000 $. En 2026, on aura un budget de 23 000. En 2027, de 28. Et en 2028, un budget de 30 000 $. 30 millions de dollars, allais-je dire. Donc, vous comprenez que c'est quelqu'un qui a une vision pour développer ce pays. Et chaque Congolais, là où il est, nous lui demandons de soutenir la candidature du président Moïse Katumbi. Parce que nous disons, un Congo nouveau est encore possible avec Moïse Katumbi. Par rapport à ce budget, quelle est la stratégie mise en pratique par l'ensemble de la République? La stratégie n'est rien autre que celle des contribuables congolais. Donc, on va commencer par les impôts, les taxes, ainsi de suite, et aussi les investissements qu'on va mener ici au pays. Ça va nous donner un budget tel que le président l'a dit de le faire. Maître avocat, nous sommes pendant la période préélectorale. Quel est le message que vous pouvez lancer au peuple congolais? Le message que je peux lancer au peuple congolais qui me suit à ce moment, la première des choses, c'est d'être toujours du côté de la raison. Qui dit le côté de la raison, c'est le côté de Moïse Katumbi. Parce que c'est quelqu'un qui est incarné par une vision de développer ce pays. En dehors de Moïse Katumbi, nous aussi, nous sommes des candidats. Et parce qu'on n'est pas encore dans une période où je peux même dévoiler mes deux numéros, parce que je suis au niveau national et provincial au Sankourou. Donc je me réserve d'abord pour dévoiler mes numéros. Mais à ce qui concerne Moïse Katumbi, tout le monde connaît déjà qu'il est le numéro 3. Donc donnons la foi aux différents candidats que Moïse Katumbi a alignés et à lui-même Moïse Katumbi, parce que nous voulons changer la donne de ce pays. Bon, Nazali Kobomba numéro nanga dans un premier temps parce que nous avons commis la période de la propagande. Alors, ce qui na sali yango, c'est qu'il n'a pas violé Mibeko. Or, Naza numéro 1, il y a qu'on respecte Mibeko Nabiso. Raison pour laquelle le moment opporté d'ailleurs, c'est d'ici là. D'ici là, tu peux dévoiler pour la paix et sa courroie. Nous sommes numéro Nabiso. Merci beaucoup. Je vous en prie.